Salut à tous, c'est Justine et bienvenue sur ma chaîne de fitness. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière séance de notre semaine numéro 2 du programme Booty Power. Pensez à vous abonner à la chaîne pour suivre l'intégralité du programme et à télécharger dans la description l'e-book avec l'intégralité de la programmation, tous les plannings, énormément de conseils fitness et alimentation pour vous aider à perdre du gras et à booster vos fessiers pour atteindre au mieux vos objectifs. On se retrouve aujourd'hui pour une séance calorie burner extrême avec focus, legs et abs. J'espère que vous êtes prêts. On attaque. C'est parti. Ok, on va enclencher cette première phase d'entraînement par l'échauffement. On est prêt? C'est parti, let's go. On vient toucher sa cheville. Ici. Super. Ça vient nous déverrouiller le bas du corps. Après la séance abdos d'hier qui a été bien intensive, elle va nous faire du bien cette séance pour clôturer cette semaine. Allez, c'est bien, viens. Cherchez loin devant, on reste droit. Ça permet vraiment de venir huiler, déverrouiller la hanche, les jambes. Encore. On va venir faire une grande fente avant. On va basculer en posant directement le genou au sol. Et on va venir étirer la hanche ici. On monte le bras en l'air. Et on vient étirer la hanche. Allez, c'est bien. On va venir changer de côté. On repasse en planche et on tend la jambe opposée. On se redresse. Super. On monte le bras au ciel. Ici. On travaille encore l'ouverture de la hanche. Ça va nous aider sur énormément d'exercices, vous allez voir. On rebascule en planche ici et on vient toucher les chevilles. Allez, on vient chercher en diagonale, c'est bien. Encore. Allez, on reste concentré. Allez, encore. Et on vient se redresser, tout de suite, ici. On va venir faire une longue fente bien profonde. Et on va venir basculer la hanche, les pieds décollés. On peut s'aider des mains, bien sûr, toujours. Vous le savez. Sinon, on reste en appui sur les cuisses le plus bas possible. Et on fait la transition. Ici. Allez, c'est bien. On maintient, on force sur les cuisses, tout de suite. On vient étirer la jambe, jambe tendue ici. On travaille en même temps l'équilibre. C'est parfait. Un peu de coordination, ça fait pas de mal. Ok, on se relève ici. Et on vient basculer en fente latérale. À droite. Puis à gauche. On garde le dos droit. Et on vient chercher de plus en plus d'amplitude. À droite. À gauche. C'est bien, encore. Ici, on travaille à vitesse modérée, moyenne. On vient vraiment chercher de plus en plus d'amplitude. Appuyez bien dans vos talons, pas trop sur l'avant du pied. Encore. Allez, c'est bien. Et on passe en jumping jack. On va mettre un peu plus de dynamisme. Commencez à faire monter le cardio. Allez, c'est bien. Allez, on a une grosse séance, nous attend aujourd'hui. 30 minutes pour faire le job. Il faut un bon échauffement au préalable. Et on va tout donner. Encore. Allez, c'est bien. Ouh. 10 secondes. On maintient sa vitesse. On s'accroche. Et on se met dedans, tout de suite. Maintenant. Allez, c'est bien. On va rester maintenant en tipping. Intérieur, extérieur. Intérieur, extérieur. Et on enchaîne. Ça va réveiller aussi nos mollets, la plante de pied, les cuisses, les fessiers.
qui ont bien travaillé sur les séances précédentes. Et on s'accroche. Encore. Assez bien. Toujours on vient échauffer ici. Déplacez légèrement en arrière, le buste penché vers l'avant. Et c'est bien. Ok, super. Et on va tenir ici. On squat. 3 rebonds. 1, 2, 3. Et on se redresse. 1, 2, 3. Et on se redresse. On essaye d'aller chercher de plus en plus bas. C'est bien. Et on respire. Pousse bien les fesses en arrière. Encore. Allez, c'est bien. On s'accroche. Ok, on vient se redresser, on passe en fente avant, pivot droit, avec halter. Toujours la même jambe. On va faire 6 exercices enchaînés de 30 secondes, deux fois. Encore. On bascule sur la jambe opposée et on redresse. Fente avant, pivot. On peut tenir son haltère également comme ceci. Et on vient travailler à la fois les cuisses et les obliques. Ok ? Allez, super. Faites-moi une belle fente avant, le genou à la limite de toucher le sol. Encore. Super. On va partir en jumping jack halter. On prend ces deux haltères ici. Et on enclenche. Allez, c'est parti. Allez, c'est bien. On accélère. 7 secondes. Encore. Et on ne gardera qu'un seul halter. Posant au sol, on va partir en fente latérale. Ici, petit jump et on revient. Alterne dans la main. Allez, c'est bien. Ici. Allez, accrochez-vous. Descendez bien en bas. Faites-moi une belle fente latérale. On n'est pas juste une petite flexion ici. On descend en bas. Allez, c'est bien. Faites-le pour vous, pas pour moi, pas pour les autres. On est seul face à soi-même quand on s'entraîne. On passe à l'autre jambe. Alors on donne le meilleur de soi-même. Je sais que c'est plus dur. Plus vous descendez, plus c'est dur. Mais plus c'est efficace. Encore. Yes, c'est bien. Allez, accrochez-vous. On passera ensuite en thruster. Avec... les deux haltères, prenez-les maintenant. Super, on enclenche. Allez, c'est parti. Allez, c'est bien. On pose les haltères ici sur les épaules. Et on continue. 3. 2, 1. On rebascule tout de suite en fente avant pivot. Il n'y a vraiment que le buste qui pivote. Fente. Encore. Et bien sûr, on garde la même jambe. On bascule, on fait l'autre jambe maintenant.
Dans l'excitation, j'avais envie de faire les deux jambes. Encore. Allez, on se concentre. On garde les épaules en arrière. On regarde. Droit devant soi. Encore. Solide. On pivote. Parfait. On repasse en jumping jack. Let's go, c'est parti. Accélère, allez maintenant. 15 secondes. Encore, tu peux, plus vite. Allez, accélère. Ok, super. Fente latérale, plus altère. Ici. Tu redresses et tu reviens. Allez, descends bien en bas. Tiens bien ta bouteille ou ton altère. Encore. Allez, c'est bien. Concentré. Pousse fort sur ta jambe d'appui. Ici, descends. Ha. Ok. Super. On change de jambe. Allez, c'est parti. On se redresse ici. Le pied ne touche presque pas le sol. Encore. On prend les deux haltères. Et on vient passer en thruster. Et on finit ce premier bloc. Allez, c'est parti, let's go. Allez, descends bien en bas. Squat profond. Et sur la montée, ha, tu montes les haltères. C'est bien. Allez, approche-toi. Allez, 5, 4, 3, 2, et 1. C'est bien. On passe directement au deuxième bloc, donc on refait un crunch ici, puis extension de jambes. Crunch à dos, halter tendu, extension de jambes. Allez, accrochez-vous. On essaie de vraiment décoller les épaules et de plaquer en même temps le dos au sol, les lombaires. Allez, 4, 3, 2, 1. On va basculer tout de suite à quatre pattes. Ici, petit chien, droit, élévation sur le côté. Encore. Allez, on lève bien sur le côté ici, bien chercher vers le haut. On vient encore plus faire de travail focalisé sur les fessiers. On fait la jambe droite, puis on fait la jambe gauche encore. 4, 3, 2, 1. Parfait. On passe sur la jambe opposée. Essayez de monter le plus haut possible, exagérez la position, le moins saccadé possible. Encore. Allez, on vient chercher. On pousse fort sur ses bras, on garde le dos droit, on essaie de ne pas basculer sur le côté. On garde vraiment le genou d'appui qui est juste en dessous de son ventre, de son buste. Encore. Allez, c'est bien. On continue. Accrochez-vous. Lâchez rien. Encore. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Parfait. On vient tendre la jambe opposée et on vient faire des demi-cercles, ici.
Encore. Allez, c'est bien. Ça commence à chauffer hein, dans les fessiers, là. Accrochez-vous. Allez, exagérez le mouvement. Demi-cercle à droite, demi-cercle à gauche. Allez chercher vraiment l'extérieur de votre tapis. Encore. C'est pas vous rester en bas. C'est vraiment, exagère. Ici, bascule droite, bascule gauche. Encore 10 secondes. Allez, c'est bien. Lâchez rien. Encore 2, 1. Ok, super. On fait ici la même chose avec l'autre jambe. Encore, accrochez-vous. C'est bien. Comme je vous l'ai toujours dit, il y a toujours un côté, vous allez voir, c'est plus facile que l'autre. On n'a pas la même souplesse, la même agilité des deux jambes. C'est tout à fait normal. Allez, c'est bien, accrochez-vous. Encore, 3, 2, 1. Prenez votre halter ici. On va passer en hip thrust frog avec l'halter. On peut même mettre les deux si vous en avez la possibilité. Vos bouteilles d'eau bien sur le bassin. Les jambes écartées en direction des murs opposés. On rapproche les pieds des fessiers pour avoir une amplitude maximale en direction du plafond. Et on lâche rien, on accélère. Encore 10 secondes. Allez, 7, 6, 5, 4. Et on gardera qu'un seul halter. 2, 1. Ok, on bascule les jambes à 90 ici. Un crunch, extension de jambes. Alterné, on garde les lombaires plaquées au sol. Ok, je veux voir aucune possibilité d'y passer la main sous votre dos. Encore. Allez, on accélère. Allez, c'est bien. Droite, gauche, levez l'halter. Encore. Allez, c'est bien. Et on repassera en extension sur les côtés. Spécial fessier. C'est parti. Et on bascule. On commence par le fessier droit ou le fessier gauche. Peu importe. Et on enchaîne. Et on respire. On reste gainé. On s'accroche. Allez, lève le bassin ici. Lève la jambe. On a travaillé tout ça à l'échauffement pour un max de mobilité. Va le chercher. C'est là qu'on va venir travailler l'extérieur des fessiers pour venir casser les capitons de cellulite, le gras, la peau d'orange. C'est avec ce type d'exercice. Encore. Allez, accrochez-vous. On lâche rien. 15 secondes. Plus haut la jambe. Plus haut. Meilleure amplitude. Encore. Meilleure altitude. Allez, chercher les sommets. Allez. Ok, on va basculer maintenant. Jambes tendues, demi-cercle. C'est parti. Et on vient chercher à droite. Puis à gauche. Encore. Et on respire. Allez, viens chercher. Loin devant. À droite. Derrière. Loin derrière. Plutôt que loin devant. Allez, super. On est dans l'effort. Ça commence à être la brûlure. C'est la brûlance. Accrochez-vous encore. 3, 2, 1. Super. Allez, on change de jambe. Accrochez-vous. On vient chercher loin à droite et loin à gauche ici. Allez, restez concentrés, visage face à votre tapis. Je vous guide jusqu'à la fin de la séquence. Je vous dirai quand il faudra vous retourner pour faire le hip thrust frog avec un ou deux haltères. Encore. Allez, c'est bien. Reste concentré.
Accroche-toi. Allez, 10 secondes. Tu peux le faire. Encore. 5, 4, 3, 2, 1. Rebascule sur le dos. Ici. En haltère. Ou deux. Rapproche les fessiers de tes pieds. Et on enclenche. Allez, c'est parti. Ici, si tu as une paire d'haltères ou un objet un peu plus lourd, une kettlebell, ça fait l'affaire également. Pour venir ajouter de la charge ici, sur tes fessiers, sur ton bassin. Et accentuer la difficulté du mouvement. Encore. Un objet de préférence non dangereux et non vivant. Pas d'enfant, pas de chat, pas de chien. Ok, dernier bloc, 50 secondes par exercice. Soulevé de terre, du squat haltère. On pousse les fesses en arrière ici. Et on descend en squat haltère. On peut écarter un peu les pieds. On va aller chercher l'amplitude. Et on accélère. Pousse les fesses en arrière. Et squat sur les épaules. Allez, encore. On va chercher bien en bas. Allez, encore 15 secondes. On accélère. Plus vite. Pousse les fesses en arrière. Garde le dos droit. Encore. Et on pose ses haltères ici sur les côtés. On va passer en burpees. Ici, on est en planche. On vient jumper ici, se redresser. On redescend. Et on se redresse. Sans la pompe et sans le jump. Et on se redresse. Planche. Et on revient. Encore. Dynamique. Allez, descends, squat profond. Planche. Tu ramènes. Ici encore. C'est bien. Allez. 10 secondes à tenir. Accélère. Encore. On va venir passer en fente avant plus jump. Prends l'haltère dans la main. Fente avant plus jump. Tu reviens. Fente avant. Jump. Et tu reviens. Encore. Allez, matraque-moi cette cuisse. Ha! Allez, c'est bien la team. On s'arrache. On donne tout ce qu'on a dans ses tripes, tout ce qui nous reste en énergie. Dernier bloc, on enchaîne encore tous ces exercices. Allez, on vient chercher la brûlure. Encore. Accrochez-vous. 4, 3, 2, 1. On change de jambe. Jambe d'appui gauche. Ici, on revient. Belle fente avant. Jump du genou gauche. Encore. Garde les épaules et le dos droit. Omoplate en arrière. On n'est pas arrondi vers l'avant. Encore. Allez, accroche-toi. Oh, on n'est pas là pour être ici. Les résultats, ils vont pas se faire tout seuls. Encore. C'est bien. 15 secondes. 7, 6, 5, 4, 3, 2. On va passer en jumping jack. Touch cheville, c'est parti. Encore.
Super. C'est bien. Et on accélère. Plus vite. Fais-moi péter le cardio. Allez, tu peux aller plus vite encore. Là, c'est à la moitié de ta vitesse. Encore. Si, 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 tu peux. Encore 20 secondes. Allez, t'as fait le plus dur. Accroche-toi. Allez. Moins de 15 secondes. Encore. 5, 4, 3, 2, 1. Super. On recommence. Soulevé de terre plus squat. C'est parti. Soulevé de terre plus squat. Encore. Allez, c'est bien. Allez, respire. Reste concentré. Accélère le rythme. Garde de l'amplitude. Fesses en arrière. C'est bien. Encore. Ici. Allez, c'est bien. Lâche rien. On va passer en burpee sans les haltères. Maintenant, pour ces haltères, c'est parti. Let's go. Trois dresses. Allez. Max de rep pendant 50 secondes. Arrache-toi. Secondes. Allez, t'as fait le plus dur. Il te reste que quelques minutes à tenir. Tu peux le faire. Prends-toi. Six secondes. Trois. Deux. Et un. Ok, parfait. Prends ton halter. On passe en fente avant. Plus jump. Encore. Allez, lève bien fort ton genou, bien haut. Descends en fente. Ta jambe d'arrière doit être pliée à 90. Encore. Allez, stabilise-toi. Écarte bien les jambes ici pour les fentes. Hein. Encore. Allez, on crache ses poumons ce soir. C'est bien. Encore 10 secondes. Et on passera à la jambe alternée. Opposée. 4, 3, 2 et 1. Allez, deux exercices. Et t'as fini ta journée. T'as bouclé la moitié du programme. Encore. C'est bien. Allez, lâche rien. Allez, encore. Vingt secondes. Accroche-toi, donne tout ce que tu as. Encore. 15 secondes. Tu vas pas abandonner maintenant. Sûrement pas. Encore. En bas. Allez, continue. 5. 3. 2. 1. Allez, 50 minutes, 50 secondes de jumping. 50 minutes, ça sera un peu dur quand même. 50 secondes. Jumping jack. Touch cheville. Accélère. Allez. Encore. Plus vite. 30 secondes. C'est rien. C'est quoi 30 secondes dans une vie? Absolument rien. Accélère. Allez, tu pourras dire, j'ai fait cette séance. Je suis allée jusqu'au bout encore. Allez, tu peux. 15. Allez, oublie tout. Pense à rien. Accélère. Bonne machine. 10 secondes. 5. 4. Accélère. 3. 2. 1. Yeah. Wouhou. Yeah.
Bravo à tous d'avoir effectué cette séance. Vous pouvez être fiers de vous. On arrive à la moitié du programme, donc ne lâchez rien. Restez concentrés jusqu'à la fin. Vos efforts, ils payeront sur la durée. Plus vous serez régulier, plus vous mettrez de l'intensité dans vos séances plutôt que de vouloir vous entraîner tous les jours à faire toujours plus. Entraînez-vous déjà 4 à 5 fois par semaine avec moi sur la chaîne et vous aurez des résultats. Pensez à vous abonner. On se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo. Bonne récup à tous. Ciao, ciao.